Pour nos confrères de Gala, Patrick Bruel s'est confié sur ce qu'il adore faire avec ses enfants lorsqu'ils sont en vacances. Et une chose est sûre, le chanteur est prêt à passer un moment très complice avec ses deux fils. Comme la plupart des Français, Patrick Bruel a pris quelques jours pour profiter des vacances en famille. Et pour cause, le chanteur va commencer le tournage de la série Unité 8200, diffusée prochainement sur TF1. Mais avant de retrouver le chemin des studios, l'artiste compte bien profiter de ses deux fils, Oscar, 19 ans, et Léon, 17 ans, tous deux fruits de l'amour entre le chanteur et Amanda Sterf. Il y a quelques années, cette dernière est partie avec ses deux fils vivre à Los Angeles. Ainsi, Patrick Bruel a traversé l'Atlantique et les États-Unis pour retrouver ses bambins. Et lorsqu'il est avec ses deux fils, hors de question pour le comédien de se laisser embêter par son téléphone. Quand je suis avec mes enfants, je lâche mon portable au maximum. Le reste de l'année, je l'ai toujours sur moi, car je veux qu'il puisse me joindre à n'importe quel moment. Confie-t-il à Gala dans son édition du 13 juillet 2023. En vrai papa poule, Patrick Bruel tente de tout faire pour que ses enfants passent les meilleures vacances possibles en sa compagnie. Oui, avec les garçons, on ne s'est jamais séparés très longtemps. J'y vais dès que je peux. Et chaque été, je reçois à la maison leurs copains depuis qu'ils ont 5 ans. Si est-ce toujours émouvant, car je les ai tous vus grandir sous mes yeux, confie le chanteur. Et je sais que cet été, ils vont me raconter dans quelle université ils entrent l'année prochaine. J'attends ces retrouvailles avec impatience, car j'adore leur conversation entre eux et avec nous. Si est-ce très enrichissant. L'occasion pour Patrick Bruel de se remémorer quel adolescent il était. Plus jeune, je partais avec ma mère en Italie. Un souvenir magique, fondateur. Culturellement si enrichissant. Mais à 16 ans, j'ai souhaité me payer moi-même mes vacances. J'ai réussi à décrocher un job au Club Med, en tant que gentil organisateur au père dans l'animation. Ma première saison, je l'ai passée à Tignes-Val-Claret, dévoile-t-il avec émotion à Gala. J'étais tellement heureux de pouvoir chanter. Ce sont des scènes très formatrices. Devant un public en vacances, qui n'était pas là pour moi. Il fallait les séduire. Et à la fin de la saison, j'invitais ma mère pendant la dernière semaine. Tout un symbole. Essentiel pour moi. J'ai travaillé 5-6 ans comme ça, pendant mes vacances, entre les cours. Et j'y retourne encore avec plaisir. Je leur dois beaucoup. Un magnifique témoignage.